Bonsoir tout le monde, jeudi c'est lundi 13 août 2018. Merci parce que vous choisissez Télévision Nationale d'Haïti pour informer et bienvenue dans l'édition Nouvelle ça. Nous démarré le journal avec information qui concernait le président public Jovenel Moïse qui a accompagné le ministre de l'Agriculture et Sous-Naturel avec Développement Rural, agronome Joubert Engrand qui visitait bloc plantation d'Iri dans Vallée la Tibonite hier dimanche 12 août 2018. C'était occasion pour chef l'État assister récolte d'Iri qui t'a fête non valéa. Président Jovenel Moïse félicité 1700 planteurs qui mettaient tête ensemble pour réaliser travail ça. Chef l'État promet planteurs pour continuer à accompagner yo dans renforcer agriculture et puis permettre yo joindre plus machines agricoles pour couper diria dans cadre programme caravane changement. Président Jovenel Moïse te dans micro 5 croix pa ki at Frenel Toussaint. Moi là avec planteurs dans vallée la Tibonite, moi là avec planteurs dans bloc 6. Un mouvement que nous créons de toutes pièces, nous gourmets pour nous mettre planter chita ensemble. Parce que je ne connais ça dit dans le pays, on haïtien son cassage seulement, il y aura acheté à deux, parce que nous séparons chaque pombo. Je dis à me penser que les gens qui ont dit ça, dans le bloc 6 là, on ne peut pas dire encore parce qu'il y a 1700 personnes qui mettent tête ensemble qui fait aujourd'hui à nous réaliser ça, réaliser là. 1700 haïtiens qui mettent tête ensemble. L'État va au encadrement qu'il faut. Yo même, yo pas tant de monde qui vient faire œuvre pour eux. Yo dépensé dans la poche plus passé 24 millions de gouttes. L'État vient en accompagnement à travers le ministère de l'Agriculture. Il accompagne eux. Je crois j'ai un rapport que le ministre a dans le niveau 17 millions de gouttes. Je dis à yo dépensé pour faire 500 hectares pour le travail là. Entre ça, l'État encadré. Et vous-même, ça vous mettez, vous dépensez presque 43 millions de gouttes. Mais, en font exercice. Vous dépensez 43 millions de gouttes, regardez combien de riz que vous récoltez, combien de riz vous faites par hectare. D'après la première information que nous avons, nous avons parlé de 4 tonnes de riz et demi. Pour récolter là, je ne sais pas pourquoi, mais nous pouvons comprendre bien ça. Ça veut dire, longtemps nous avons fait 3-4 tonnes par année. Dans la récolte ça, côté vous mettez tête ensemble. Yo bay terre quantité engrais pour yo bay quantité de l'eau pour yo bay yo rivé dans première projection que yo gagne y a parlé de 4 tonnes et demi pour une récolte et non année valé à qu'on fait entre 2 récoltes et demi jusqu'à 3 récoltes ça dépend de quantité de l'eau gagne. Mais ça c'est pas une victoire, c'est pas un bail que nous considérons comme un gros acquis que nous gagnons dans affaire production du riz dans le pays. Parce que Jean, camarade là, je dis, bloc de production, ça, moi je te fais périmètre là avec lui. Il montre un problème drainage, bloc de production, il montre un problème route, bloc de production, il montre un problème système irrigation, bloc de production, il montre un problème nivellement. Moi-même, mon parti m'a dit sincèrement, je ne me connais pas. Si du RIA, nivellement sol là extrêmement important. C'est ça que je dis là. Il dit que faut nous arriver 500 hectares terre, ça veut dire mener bon topographe, mener moun spécialiste dans CNIGS qui a gardé là. Ça veut dire moi je voulais parler de centre national d'investigation géospatiale. C'est pour ça nous là, pour nous venir joindre paysan ça yo, pour nous venir joindre agriculteur ça yo, pour nous venir garder dénivellation qui gagne sous espace 500 hectares ça, pour qu'on y a pour niveler, pour mettre le plat qui permet gens se dire camarade là se dit le l'eau les besoins évacués. Évacuation de l'eau, il a fait plus facile le terre au niveau. M'a tout dit, président bloc là, m'a tout dit le conseil que ministre là, moi elle t'a pris note nivellement, m'a demandé ministre pour le prendre responsabilité pour que nivellement fait sous bloc. Ni moi-même, que peuple là bas pouvoir, moi-même, moi choisi premier ministre. Je choisis ministre avec premier ministre pour venir servir qui monde qui pour venir servir peuple. Tout ça que vous demandez, nous là pour nous faire le bouillon. C'est pour ça parce que vous pas mettez là pour me faire assembler. Même là, vous même
a pas de bon pouvoir pour me quitter faire ça. C'est même gens dans la Tibonite, vallée à son vallée, nous connaît qui difficile en pile. Je dis à me profiter de moment ça pour demander politiciens, même j'aime demander une trêve. L'homme d'Abvini 1er mai 2017 là, que t'es bon trêve là. Maintenant, trêve ça, c'est pour être capable bail. C'est pas moi non plus pas trêve là qu'on y a, mais mon bruit bail, mais planteur, mon malheureux malheureuse qui vivent de valeur, malheureux malheureuse qui c'est là, ils ont fait. Deux goudes pour occuper petit yo. Moun sa yo mandon trêve. Yo mandon trêve politique. Voilà, c'est la déclaration président public la Jovenel Moïse pendant visite li dans vallée la Tibonite. Troisième centre Germoplan 5 propagation végétale pays d'Haïti inauguré samedi 11 d'août là dans commune Mafran département Grand'Anse. Président public la Jovenel Moïse inauguré espace ça dans tête collée avec ministère environnement yon centre qui pral créer environ 180 jobs permanents dans Mafran. Centre ça déjà gagne 3 millions ti pied bois la donne sous 4.5 millions divers qualités ti pied bois autorité yo visé planter dans espace là. Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay dans un reportage. À partir du troisième centre Germoplaça, c'est environ 13.5 millions de plantules forestiers et fruitiers Haïti a produit chaque année à raison de 4.5 millions de plantules par centre Germoplaça. 60% dans yo c'est pied bois qui bail fruit. Environ 3 millions de plantules déjà plantées dans l'espace ça. Parmi eux, une grande quantité moringa benzolive. En même temps, c'est une véritable activité qui crée job dans la zone. Côté ici là dans Mafran, pral gen environ 280 emplois permanents. Pour dire une phrase, président, qui était mémorable pour nous dans l'environnement. Pendant mon mandat, il faut mettre structure pour l'argent à l'empoche mounio et pour manger à l'insultable. Environnement, pas moins structure, ça. Centre de germoplasion. Offrir, président, c'est un moyen que nous offrions pour que, même Jean, ingénieur Ligonde, ce deal, plus de 100 millions de dollars américains capables de rentrer dans l'assiette économique pays pour permettre effectivement plus de transformation. Est-ce qu'on comprend? Monde qui n'a fait usine pour transformer mango en jus, pour transformer goyave en jus, pâte goyave, etc., etc. Pour transformer véritable, pour transformer l'âme, pour transformer orange, etc. Président, vision, ça va permettre que vous prenez le fier au terme de 4 ans là pour quitter le pouvoir pour dire, même gens intellectuels, ils disent en latin, non diem perdidi, ça veut dire ou pas perdu temps. Le président républicain Jovenel Moïse gagne pour faire un reboisement en profondeur dans le pays à avancer. Saint-Germain-Place avec propagation végétale qui inauguré samedi 11 août là dans le département Grand'Anse fait troisième structure comme ça président Jovenel Moïse mettait sous pied à ministère environnement gagne un centre comme ça déjà dans Lévis Camperin à dans fond des nègres. C'est occasion pour chef l'état parler de projet administration là gagne pour commune Mafran. Nous faisons calcul si chaque pied bois t'as qu'à priver bas ou 3 millions de gouttes. Ou à l'idée de combien de millions de gouttes. Lors d'une planter tout pied bois ça. Tout le monde qui là, qui a pied l'âme la caillou. Des monde qui là, qui a pied là-bas la caillou. Des monde qui là, qui a pied mango la caillou. Nous connaissons vers les côtes rivées. L'âme n'a tellement produit. Et il y a une nouvelle qui dit M. Menza, redresse tellement une lame qu'on est venu marcher, je ne vais pas. Ça veut dire, c'est pour me dire nous, avec augmentation, lame, que Saint-Germain place ça pour le produit, nous prenons la nécessité, je ne sais pas si je là et pour me dire. Moi, je suis dans la campagne, moi, pas dit que le gouvernement va installer une usine pour faire transformation là. Moi, je dis que l'État va faciliter mon secteur privé dans Grand'Anse. Qui ont même l'idée pour monter une usine de transformation, même je ça commence à faire pour nous. Faut me dire que il y a possibilité, si il y a mon Grand'Anse
qui a l'idée pour monter usine transformation produit agricole dans la véritable. L'État a une possibilité, je dis, pour Mounsa, pour faciliter à travers le ministère de l'Agriculture, il y a besoin de possibilité de crédit pour monter usine transformation pour l'âme véritable, pas obliger le pour bien rester dans le marché. Saint-Germain-Plasme, commune Masran, gen la donne, yon centre compostage et préparation médium, yon dépôt outils ak intran agricole, yon résidence pour cadre ak stagiaire, ak yon grand espace pépinière qui gen environ 8 ombrières pour mettre plantulio. Toujours sous même dossier, responsable Agence nationale à protéger Jean-Thèse Joseph applaudit l'initiative ça, président Jovenel Moïse prend pour mettre 14 centres germoplasme à propagation végétale dans tous 10 départements pays. D'après Jean-Thèse Joseph, décision ça après gagner un gros impact positif sur l'espace végétal là, à toutes diverses variétés espèces qui menacées journée jeudi. Jean-Thèse Joseph dans micro Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay. Jeudi Haïti avec un faible pourcentage de couverture végétale. Donc toute forêt nous, par exemple forêt de pins, pic macaya, et ensemble de zones ça yo, l'État pas arrêté de déclarer air protégé et que nous-mêmes nous là pour nous protéger ressources ça yo. Vous capable constater jeudi Haïti gon problème, nous commençons gon carence d'eau. Qui ça fait nous gon carence d'eau? C'est parce que n'a coupé pied bois yo qui ba nous sous l'eau, n'a jeté fatra dans rivière yo. Nous a utilisé la mer nous en mal dans tout pays sous la terre. La mer yo li servi pour rentrer l'argent, pour rentrer devises pour pays yo, mais nous-mêmes nous fait servir de un dépôt trois fatra. C'est ça qui fait nous gon deux types d'air protégé. Nous gon d'abord les airs protégés terrestres et les airs protégés et donc, dans le cadre de travail, pas nous, je vous dis, nous gagnons 25 aires protégées déclarées à l'échelle nationale et nous avons identifié déjà en cinquantaine l'autre zone que nous estimons ça gagne comme réserve biosphère, ça gagne comme biodiversité, ça gagne comme élément de conservation que nous devons conserver et protéger. Donc là, dans le cadre de mission, nous avons travaillé pour nous renforcer la zone nous gagnons pour nous protéger. Nous avons travaillé pour nous assurer nous zone ça a une couverture végétale acceptable. Dans l'occasion de rentrer l'école, le président de la République, Jovenel Moïse, décide d'accompagner l'employé de l'État. Dans ce sens, l'employé qui a touché 25 000 gouttes et plus bas, a besoin de 100% salaire. Si l'employé qui touché plus passe 25 000 gouttes jusqu'à 46 000 gouttes, après ses voix, 50% salaire et puis 25% pour monde qui touché plus passe 46 000 gouttes. L'autre information, le Premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, fait des paupières livres le 10 août dans le Sénat. Parmi pièces, copie passeport, casier judiciaire, curriculum vitae, pour ne citer ça ou seulement. C'est le secrétaire général du Sénat, Ronny Gillot, qui recevra pièces, nommé PM nommé Jean-Henri Seyan. Vice-président Sénat, Pierre-François Zildor, encouragé Premier ministre là, pour déposer pièces toutes ministres et secrétaire d'État pour Sénat qui analyse. Sénateur Zildor dit, Sénat pral formé en commission et spéciale en 20 longtemps, qui a bien pour analyser document Premier ministre nommé. N'a qui te suivre. Il y a un extrait dans le micro Fidnia Confident avec Moïse Webridge. On a tout expliqué, monsieur le Premier ministre, que vous voyez toutes les pièces, les membres du gouvernement, pour nous analyser. Et à partir de cette phase-là, nous allons former une commission spéciale qui va analyser toutes les pièces pour bail. Et nous avons toutes les pièces, du gouvernement. C'était un état signé pour ce même processus. Et suite à la fonte de conformité, une commission spéciale qui va former l'enseignement, les différents temps, parce qu'on va analyser le dossier, alors la fonte de conformité de pièces et de pièces non-gouvernementales,
nous pas l'inviter pour venir faire énoncer les déclarations politiques générales dans ce pays. Nous, comme situation pays à janvier, nous s'adressons nous tous pour nous doter et pays d'un premier ministre. Ça fait, nous, plus rapidement possible, nous avons formé une commission spéciale là pour analyser le dossier. Et nous pensons que tout va être là, en forme d'un bon rapport de conformité sur les caisses de nous-mêmes et de membres du gouvernement. Ministre de l'État, pour nous inviter pour l'instant politique générale. Toujours sous même dossier, après il était fin de déposer pièce li dans le Sénat, premier ministre nommé Jean-Henri Seyan, fait dépôt pièce li dans la chambre député. Secrétaire général chambre député, Gérard Georges, confirmé, il recevoir en tout 21 pièces dans le premier ministre nommé. Toutes pièces sa yo, c'est copie, parce que PM nommé a déjà déposé original yo dans le Sénat. Gérard Georges remet yon accusé réception par le premier ministre là, qui prouvait li joindre toutes pièces yo. Yon extrait toujours dans le micro Fedner confident avec Maurice Wilbridge. Le vœu de la Constitution, de l'article 157, on a l'extrait des archives. Des archives, l'extrait des archives de la mère du père. On a l'extrait des archives de la mère et du grand-père. Ok. L'extrait des actes de mariage. On a. Oui, oui. Alors, s'il y a lieu. Ok. De toute façon, ça va dépendre de la commission. Donc, ça peut arriver que la commission demande des ajouts. Certificat de nationalité, certificat émis par la direction générale de l'immigration et de l'immigration. Passeport, tous les documents de voyage de tout voir l'intéressé. Carte d'identification nationale. Matricule fiscale, casier judiciaire, certificat de bonne vie et mœurs, titre de propriété, certificat de résidence, certificat de déclaration définitive d'impôt, certificat de décharge si elle a été comptable des deniers publics. Donc c'est pas le cas. Curriculum vitae. Bon côté par le premier ministre nommé Jean-Henri Seyan fait qu'on est les déposer toute pièce la loi exigée pour yon moun vin premier ministre. Mais c'est en bas garantie, en van longtemps l'a déposé pièce toute ministre avec secrétaire d'État qui a bien pour faire partie gouvernement liant. Et lui promet pour chita parler à tout secteur dans le cadre de formation prochain gouvernement, si tout parti politique représenté non parlement. Concernant déclaration politique générale, le premier ministre nommé fait qu'on est l'a travail à président république là sous préparation. Document. Mais c'est en dit, si un ancien ministre qui était dans le gouvernement te fait travailler bien, pas de aucune raison pour le pari conduire. Mais plutôt suivre en bout la déclaration. Toutes pièces de la loi exigées, nous sommes légalistes, nous sommes avocats avant et je dis un notaire qui gagne, connaît ça la loi dit, qui et donc respect scrupuleux de la loi. Et c'est pour ça, Brentham, une petite question. Nous avons posé toutes pièces. Bon, là, 21, parce qu'il y a des pièces pour déposer un paquet. Donc, soit déposer passeport, déposer 13. M'bakadine déposer 13 passeports. Travail, président Jovenel, le fait depuis le film nommé. Il mettait mal à l'aise. Évidemment, la Constitution prévoit. Pourquoi choisir ministre? Faut chiter un président. Que peut acheter. Donc, tout ça m'a fait, normalement, faut que en grande consultation avec lui, pour mettre d'accord avec lui. Dans la situation il y a, d'ailleurs, tout le monde connaît, moi-même, c'est un rassembleur, et c'est ça, c'est à ce titre que moi, c'est faciliter les relations entre les Haïtiens, parce que par exemple, personne qui capote ça, il est loup, ça vous connaît. Donc, et d'abord les partis politiques, parce que c'est organisé, les partis politiques qui sont représentés au Parlement d'abord, font chita avec eux, et c'est normal que je chita avec eux, parce que Chahila a porté la veine. Il y a séparation des pouvoirs, il n'y a pas de conflit entre pouvoirs. C'est pour nous rechercher, pendant que nous avons là, il faut dire pour nous rechercher l'harmonie entre les pouvoirs pour faire payer à marcher. C'est ça, et pour ça, moi-même, c'est un ancien ministre. Le ministre secrétaire d'État soumet nous-mêmes, d'abord, bien sûr, nous allons analyser nous-mêmes avant de soumettre au bureau de la Chambre des députés et du Sénat.
Voilà, c'était précision Premier ministre nommé à M. Jean-Henri Séan. Le dossier dans le journal ça sorti mois juin, arrivé mois juillet 2018. Inspection générale police nationale d'Haïti recevra 129 plaintes contre agents policiers. Parmi plaintes, ça y a eu 7 pour abus d'autorité, 15 pour agression, une pour dette et une pour viol. Responsable là, dans le micro, Johnny Arby Kaseus et Frenel Toussaint. Non, actuellement, c'est ça, on a 280 convocations, 271 auditions, 47 enquêtes de voisinage, 36 confrontations, 19 médiations, nous avons 7 isolements tout pendant les deux mois, juin et juillet. En fait, il y a un dossier tout qui sorti dans, en fait, il y a saisine d'office. Constatons qu'il y a un rapport externe qui est au nombre de 169, mais là, dit tout qu'il y a trois policiers qui ont fait demande de recours, c'est-à-dire trois policiers révoqués et qui écrit inspecteur général en chef pour demander réintégration. Enquête qui était ouverte pour ces différents dossiers, c'est au nombre de 136, tandis que rapport d'enquête signé et expédié au directeur général. Pour les deux mois, il y a au nombre de 141. Dossier d'enquête qui signé et expédié au directeur général en deux mois juin, deux mois janvier à juillet, il y a au nombre de 435. Certaines recommandations qui dans le dossier SAO, par exemple, il y a une recommandation de réprimande, il y a 5, il y a 8 mises en disponibilité, il y a 66 suspensions. Même j'ai tout gagné 53 classements. Classement, vous l'avez dit, c'est plainte que plein a porté dans l'inspection générale. L'heure où il a traité dossier, pas gagné matière pour poursuivre policier et IGPNH recommandé que le dossier soit classé. Donc, c'est au nombre de 53. Gagné tout 80 avis au plein. Avis au plein, c'est lorsque le plein a mis pour des plaintes. Le fin, dossier fin traité, nous faisons le devoir pour nous relever ou bien pour nous écrire, pour nous dire, mais ça qui sorti dans plainte que le dévoté. Donc au total, il y a 80 avis au plaignant. Bureau monétisation programme aide pour développement BMPAD rend public vendredi 10 août 2018 là toute proposition li recevra dans cadre appel institution ante fait dans date 8 août passé ya sous commande pour acheter produits pétroliers pour fonctionnement administration publique là dans sens ça c'est compagnie Novo nak Dinasa qui remporté appel pour proposition BMPAD là côté compagnie Novo proposé pour le vendre BMPAD 550 000 barils diesel là un prix $9.50 BMPAD 7200 barils kérosène gaz blanc à un prix $20.38 chaque gallon. L'autre information commission justice droit moun ak sécurité publique chambre député a dans tête collée ak mission Nations Unies cap appuyer la justice en Haïti lancé vendredi 10 d'août là projet mobilisation pour adoption projet nouveau code pénal projet nouveau code procédure pénale ak projet loi sous assistance légale cérémonie ça a déroulé en présence représentant ministère justice et sécurité publique, secteur droit moun, universitaire, parlementaire et plusieurs anciens premiers ministres. Yon contrandi à Rachel Saint-Fort. Projet ça, comme dire si moi, visé mobiliser à terre étatique, non étatique, à partenaire international, pour bas système judiciaire haïtien, un outil à questionnement légal, capé d'augmenter performance magistrale. Ce projet, qui est le fruit d'un partenariat avec le Parlement, se matérialise à une étape charnière de l'histoire de ce pays, étant donné les appels nombreux et incessants venant d'Haïti et d'ailleurs, pour d'une part l'établissement d'une nouvelle dynamique politique, économique, sociale, plus inclusive et plus à même d'adresser les besoins des plus démunis, et d'autre part l'avènement d'une justice fiable, transparente, équitable, accessible à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens. En effet, la société haïtienne plaide pour la mise en place d'une institution judiciaire forte et indépendante qui soit capable de rendre la justice de manière impartiale. Quelles sont les grandes innovations? Au niveau de l'avant-projet, du projet de code pénal, j'ai parlé de nouvelles infractions.
crime contre l'humanité, génocide, redéfinition du viol comme agression sexuelle, harcèlement sexuel, harcèlement moral, enregistrement et diffusion d'images de violence. On a incorporé dans le texte la loi sur le trafic de stupéfiants. C'est ça la vie processus. D'après l'explication du président de la commission justice Douamoun et sécurité publique, chambre député Jean-Marie Forestal, il y a qui ancien. Il est important pour le pays un instrument légal qui est adapté à la réalité. Député porte-parole ba garanti semaine k'ap vini en chambre député a ratifié loi sur assistance légale là qui déjà voté dans le Sénat selon ça l'expliqué. Ce projet est financé par la MINUSUS et exceptionnellement la FINPAS pour l'exécution FACIFA à la commission permanente justice de la sécurité publique à la chambre des députés des mécanismes à mettre en branle en vue de la votation. À la rentrée de la troisième année législative et cette 50e législature, la votation de ces deux projets de loi, le code pénal, le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale. Parce que vous savez, la société n'est pas statique, elle évolue. Eh bien, le besoin se fait sentir pour que désormais on adapte les instruments légaux haïtiens aux nouvelles réalités sociales haïtiennes. Élaborer un document qui a contribué à renforcement réforme judiciaire et puis politique pénale gouvernement, établir un système contrôle et suivi action gouvernement sous plan pénal pour permettre à la population de jouer un bon système pénal et judiciaire. C'est ensemble résultat initiateur visé à travers projet mobilisation pour adoption projet nouveau code pénal, nouveau code procédure pénale et projet loi sur assistance légale là. Merci Rachel et Hervé qui étaient présents dans le lancement ça. Organisation médicale Médecins sans frontières organisée en porte l'ouvri jeudi vendredi 10 d'août là dans objectif pour présenter différents services Médecins sans frontières bay à communauté matissant dans Kaijans responsable SFSO. Il y a quitté le pays pendant le fait qu'on a continué à fournir service à la population dans le bal aux soins nécessaires. Il y a un reportage à Saint-Croix Paki. Journée porte ouverte ça, organisation médicale Médecins sans frontières réalisée dans l'idée pour présenter ensemble service ONG médical là bay à la population avec intervention yo fait dans moment catastrophe naturelle, épidémie choléra, moun qui victime par balle, accident machine avec motocyclette, femme enceinte et latrier. Qui accueille les cas urgents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Par cas urgents, on entend évidemment les cas traumatiques, les accidents de la voie publique, mais pas seulement. On a aussi les gens qui sont malades, peut-être les bébés qui viennent avec de la fièvre ou quand on est adulte et qu'on n'arrive plus à respirer. Donc dès que c'est urgent, on va prendre en charge ici à Martissan 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ce qui va se passer, c'est que le patient va arriver au niveau du triage, d'accord ? En fonction de la gravité de son cas, on va lui donner une priorité dans sa prise en charge dans la salle d'urgence. Ensuite, ils seront pris en charge dans la salle d'urgence et soignés. Et après, on a trois cas différents. Ou bien la personne est soignée, elle peut rentrer chez elle, et on lui donnera même des médicaments si besoin. Ou la personne, on a besoin de l'observer un petit peu pour être sûr, donc elle reste avec nous 48 à 72 heures en salle d'observation. Ou alors, vraiment, on ne peut pas donner les soins nécessaires à cette personne puisqu'il faut une prise en charge un peu plus complète. Et dans ces cas-là, on la stabilise et avec nos ambulances, on va l'envoyer dans des structures de référencement. Médecins sans frontières a des ressources médicales, matérielles, financières, humaines. Et dans le monde, on réaffecte nos priorités d'intervention. Responsable communication Médecins sans frontières Haïti a démenti l'information qui t'a fait quoi. MSF a quitté le pays pendant qu'ils ont annoncé qu'il y a quelques services qui ont fermé dans différents hôpitaux MSF dans la région métropolitaine. Médecins sans frontières toujours dans le pays, Médecins sans frontières pas quitté le pays. Donc, nous là, et notre travail, même je nous là, nous mentissons. Et pour couper court avec toute rumeur qui dit Médecins sans frontières aller, Médecins sans frontières subit pression, nous quitter Delma 33, nous gagnons pour nous quitter l'autre encore, ma petite population, non, c'est pas ça lié. Médecins sans frontières évaluer l'activité liée de par le monde et lui décider comment la réorienter toute structure liée. Ça veut dire tout l'hôpital liée. Gagnez-en yo qui a continué à marcher même genre, gagnez-en yo qui gagne arrangement qui fait là-dedans. L'hôpital nous te connaît qui était dans Delma 33, qui était recevoir femme enceinte avec complications, il n'est pas là encore depuis 15 juillet, il est fermé, il n'est pas recevoir encore. Donc,
cas femme enceinte, Médecins Sans Frontières pas recevoir encore pour accouchement avec complications. C'est unique centre qui ferme pour l'année 2018 là. Pas bien l'autre encore qui ferme pour l'année 2018 là. Actuellement, Médecins Sans Frontières il y a 5 hôpitaux qui a fonctionné dans le pays d'Haïti. En 2019, il y a un autre encore qui a bien pour fermer. C'est sans tabac là. Mais ça ne veut pas dire que chaque année la fait meilleur. Ça ne veut pas dire que la fait meilleur grain par grain. C'est pas ça. Lui. Toute activité où il a continué à fonctionner selon prévision et a gagné déjà. Ok? Pour qu'on y a là, nous gagnons qui ferme. L'année prochaine, il y a une qui ferme encore. Et n'a toujours été, même l'année prochaine, n'a pas été 4. Kounyala, il y a 5 qui a fonctionné. Médecins Sans Frontières, c'est une association humanitaire internationale qui, dans le pays d'Haïti, depuis l'année 2010, a porté assistance dans le cas d'urgence de la population dans le domaine de la soins. Bon, arrivé pour une première pause dans le journal, l'arrêté branché, n'a pas tourné. Non, page sportive là, championnat national, première division, Racing Club Haïtien a préparé sérieusement pour ses retours championnat national, première division, qui a démarré dans le mois de septembre, qui a venu là. Et puis à l'étranger, Supercoupe d'Espagne, FC Barcelone remporté Supercoupe d'Espagne hier dimanche. Dans le pays Maroc, après victoire sur FC Séville, 2-1. Et puis, n'a pas rappelé Haïti, perdu devant l'Allemagne, 3-2. Voilà, c'était un plaisir pour nous être ensemble. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à rester branchés pour suivre cette programmation. Bonne semaine tout le monde.